Voici une exceptionnelle terrine couverte en faïence en forme de hure de sanglier. Produite par la manufacture de Strasbourg au XVIIIe siècle sous la direction de Paul Hanong, elle est emblématique des terrines zoomorphes à la mode à cette période. Ces récipients couverts permettent de conserver la chaleur des aliments et constituent souvent la pièce maîtresse des services de table. Ces pièces, au réalisme saisissant, étaient l'apanage des plus grands commanditaires. Ainsi, l'archevêque électeur de Cologne, Clémence Auguste, disposait d'un service d'environ 600 pièces qui comprenait un nombre conséquent de terrines en forme d'animaux, dont une en forme de hure de sanglier.